Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo invocation de Espadas. Voilà, donc il est là, il est beau, il est tout propre. Notre Mexicain préféré avec une animation assez sympa où il fait genre qu'il est prêt à contre-pied ou même qu'il va avoir le ballon, il la récupère. Donc c'est parti, je suis l'un des derniers peut-être à faire une vidéo d'invocation. Il y a mes amis Bigito, Atsushi, je crois que Letan va faire une vidéo. Donc le gros comeback de cette journée, c'est Letan. Gros bisous à Letan et à tout le reste. Je passe aussi une dédicace et tous ceux qui ont droppé du lourd, GG à vous. Donc 637 Dream Ball. Donc deux petites choses, on a le Dream Pot pendant tout le mois de mai. Donc chaque jour on aura soit des Dream Ball ou soit des tickets. Il faut savoir que normalement 3 tickets équivaut à un recrutement. Donc on va voir ça immédiatement, on va essayer de faire ça vite. Voilà. Donc moi bien évidemment je vise certains joueurs, j'ai pas envie de le dire parce qu'à chaque fois que je dis que je vise un joueur, et ben je l'ai pas. Donc pour une fois je ne vais rien dire. Donc voilà le Dream Pot. Donc au lieu d'avoir comme d'habitude les bonus quotidiennes avec des carnets, je sais pas quoi, donc là on aura le droit à un de ces joueurs, dont Roberto aussi. Roberto n'est pas là, donc on a l'ancien Pierre, tout premier Pierre, l'un des tout premiers Tsubasa, le naturel d'interception automatique à 50% qui est très sympa, et le Diaz qui reprise, voilà, qui fait des reprises, etc. Donc voilà, donc c'est original, ça change un petit peu. Donc aujourd'hui on a eu c'est ce soir à 21h, l'heure où je fais la vidéo, le 30 avril à 21h, on va avoir 10 tickets du Dream Pot. Et bien évidemment il va falloir faire un match par jour pour avoir des tickets aussi. Donc il y a un match que vous pouvez faire qu'une seule fois par jour et vous allez avoir des tickets. Et le troisième jour, des 5 Dream Ball. Et le 25e jour, comme d'habitude, tous les 25 du mois, on a un ticket et c'est ça garanti. Vous avez vu, le 16e jour, on a 10 tickets. Le 17 et 18, 19, on a 3 tickets. Et le 20e jour, on a 10 Dream Ball. Et le 25e jour, et c'est ça garanti. Donc voilà. Voilà. Hop. Donc, il y a aussi le Matsuyama bleu Furiano qui est très sympa. Donc voilà, attendez, on va en recruter. Hop. D'ailleurs, peut-être je vais peut-être invoquer dessus sur le Dream Pot. J'ai 6 tickets, donc je peux faire 2 singles. Et Dream Pot, comme pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en fait, plus vous utilisez les tickets, plus ça s'épuise dans le pot. Vous voyez, il y a 40, faut faire 40 singles. Et il y a une single, vous allez voir le SSR. Et voilà, donc et ensuite vous allez épuiser les autres unités. Il y a une carte avec un point d'interrogation, je sais pas ce que c'est. Alors là, s'il y en a un qui le sait, direction les commentaires. Et voilà, donc voilà les joueurs. Le Roberto, je vise vraiment le Roberto là. Donc voilà, donc par exemple, si vous avez eu tous les troisièmes prix, bah, vous n'allez plus avoir les troisièmes prix, vous avez passé au deuxième prix. Par exemple, si vous avez pris tous les 13 recrutements de deuxième prix, et ben vous n'allez pas retomber dessus. Donc le risque de doublon en termes de prix ne reviendra pas en fait. J'espère que je me fais bien comprendre. Bon, par contre, c'est un portail à 3%. On ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Hop. Allez, on va voir ça vite fait. Ok. C'est important aussi de se connecter dès ce soir parce que vous allez voir le ticket SSR garanti, non pas le 25e du mois, le 24 du mois. Il y en a pas qui se posent la question sur Twitter, mais pourquoi toi t'as déjà le ticket, moi je l'ai pas. Parce que tu t'es pas connecté à 21h. Voilà. Ou de Supremo, ça on s'en fiche. Hop, attends, il y a un petit curseur. On peut pas voir. Ah, il y a du temps. Donc j'en ai plein. Il y en a sur. Alors attendez. Sur voilà, lui je le vise complètement, le Tachibana qui donne 15% à tous les attaquants et milieux offensifs rouges. Donc vu que je joue rouge, il me le faut absolument au moins pour le banc. Je le mettrai sur le banc, au pire des cas des fois il rentrera, je sais pas. Lui il est très sympa, le Matsuyama bleu qui est très sympathique. Bon, le Tsubasa on le connaît, hein, on le connaît par cœur, il y a depuis longtemps. Le Chester je l'ai déjà, il y a beaucoup de joueurs que j'ai déjà. Donc
je suis quasiment à une chance sur deux d'avoir un joueur que j'ai pas et un joueur que j'ai. Allez, hop. Bah écoutez, on va faire hop, là c'est mieux. On va voir vite fait le Espadas très rapidement. Ça sera, franchement, si je tombe sur le SSR direct, premier prix, c'est un truc de ouf. Enfin, si je tombe sur le premier prix maintenant, c'est un truc de ouf. Mais je pense pas. Je pense que je vais tomber sur du troisième prix, voire peut-être du deuxième prix. Ça charge. Espérons que ça ne plante pas. Bon, ça n'a pas l'air d'être fameux. Il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Allez, il va nous dire quel prix on a eu. Troisième prix, troisième prix. Ok. Donc maintenant, vous avez vu le pot. Je sais plus combien il y avait d'unités dans le pot. Bah ça s'est enlevé. Il y a deux unités qui sont enlevées maintenant. Donc voilà. On était à 26, je crois. C'est ça? Non, c'est ça? 26, 26, troisième prix. Parce qu'il y en a 24, donc on a eu deux. Donc on était à 26. Non, maintenant, on n'est plus qu'à 24. Voilà. Donc je pense que oui, c'est quasiment, si tu fais les choses bien, c'est quasiment un César garanti. Après, vous avez vu, remise à zéro. En fait, si vous avez le premier prix, bah, vous pouvez même mettre remise à zéro pour avoir une chance d'avoir un autre premier prix durant le mois. Donc voilà. Allez, menu principal, j'ai failli dire maison principale. N'importe quoi, le let's go. Allez, on va voir vite fait le Espadas. Bon. Le Espadas, il est fort en catch, mais en coup de poing, c'est. Waouh! Ça pique. Et son passif est sympa, mais en fait, il sera vraiment efficace face à. Comment dire? Face à un Yuga Fest. Et encore, si le mec en face, il sait jouer, il sait optimiser son Yuga. Je sais pas, hein, ça va être chaud pour lui. Hein. Chaud pour lui. Hein. Passe au 45%, donc lui pourra monter maximum à 39% le Espadas dans une team rouge non jap, etc. quoi. Bon, ça, je vous laisse l'ami Mitch qui a vraiment fait une super vidéo. Il détaille tout sur le Espadas, hein, en termes de stats, en termes de passif. Il est là, il est magnifique. Après, moi je visais vraiment le Salinas, quoi. J'aurais bien voulu. Voilà. Alors, 1047 en endurance, 6294 en coup de poing. Donc, voilà, c'est lui, c'est le. Voilà, ça va être le catch. Hein, j'attrape le ballon. 8928, je sais que le Waka il dépasse les 9000. Je crois qu'il a 9005. J'avais regardé ce matin, vite fait, j'avais comparé les trois gardiens, les trois meilleurs gardiens du jeu. Voilà. Bon, par contre, en technicité, il est extrêmement fort. 9116. Voilà, donc c'est un Mexique Warlius, l'ami Espadas. Donc il prend 15% face au Jap avec le passif et il donne à tous les non-Jap, je crois, 10% ou aux attaquants et aux gardiens. Il donne, je crois c'est 15 ou 10. Je crois c'est 10. Ouais, 10. Donc voilà, donc si tu joues pas une team de couleur, eh ben il va se prendre 10% pour lui et pour les attaquants. Et si tu tombes contre un, je sais pas moi, un Itafest, je pense pas, mais un Tsubasa ou surtout Yuga, et ben ça peut faire la petite diff si t'as un petit crit aussi, donc ça peut faire la diff. Mais attention, maintenant les Yuga sont bien montés, lui il va falloir du temps pour le monter, bien comme il faut avec les ballons au noir. Voilà. Le Akai, je vais pas vous le montrer, mais apparemment il est revenu dans le game. Il a un passif, je crois qu'il a une sorte de passif comme le Jito Dream Collection. S'il prend la bonne décision, il prend un énorme boost. Je sais pas c'est quoi. Je m'en rappelle plus. Je sais plus. Je crois que c'est Mitch qui le dit encore. Je crois c'est, je sais pas si c'est 40 ou 50 ou 60% sur toutes ses stats. Donc il est revenu dans le game. En plus je l'ai, le Akai bleu, pas le Dream Collection, hein, le tout premier quoi. Le basique. Donc voilà. Allez, c'est parti. Il y a l'anniversaire qui va arriver et ce serait bien qu'il tombe assez rapidement le Espadas. Ce serait bien. Ce serait bien. Et ben, attendez que je regarde s'il n'y a pas un autre portail. Voilà, c'est bon.
Eh ben écoutez, c'est parti. En plus, il dure 5 jours, donc c'est rare pour un Dreamfest qui dure 5 jours. Allez, première multi. C'est parti. Allez. Normalement, la première multi, c'est jamais. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Puis c'est la première fois que je fais une vidéo, une vidéo recrutement par avec Inox et tout, donc ça va être la première fois. Mais beaucoup de temps à se charger. Oh purée. J'aurais dû faire avec le téléphone. Bon, on voit à peu près les ballons. C'est n'importe quoi. C'est la première fois que je vois ça. Bon, apparemment, y a rien. Y a rien du tout. Bon, y a rien du tout. J'ai envie de même de redémarrer Nox. Bon, je vais refaire une deuxième. Ok, bon. C'est parti. Deuxième multi. S'il veut bien. Ah, c'est bon, on a plus le. Chance, pas de pigeon. Non. Déjà deux multi, zéro SSR. Pas besoin de suspense. Hop, on clique. Ok. Il y a des SR qui ne servent quasiment plus à rien maintenant. Il y en a qui n'ont que des SPB, ça ne sert plus à rien de les garder. Allez, c'est parti pour la troisième. Franchement, si je pouvais garder 200 Dream Ball, entre 200 et 300, ce serait bien. Pour l'anniversaire, ce serait bien. Là, c'est 2 mois de. Vraiment 2 mois de farm de Dream Ball. Hein. C'est vraiment 2 mois de entre guillemets, de travail. Hein. 2 mois d'effort. Allez. Bon. Ça a l'air de sentir bon. Ok. Allez, faut que ce soit le bon. Ok. Allez. Un seul SSR, c'est déjà pas mal. On est dans les taux. On est dans les taux. Allez. Allez. J'ai un fest, mais c'est un doublon. Non, mais est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu le crois, ça? C'est pas croyable, ce jeu. Ah, il faut être fort dans ce jeu. Vas-y, c'est parti, hein. Quatrième multi. Purée, je suis dégoûté. Qu'est-ce que je vais faire de lui en plus? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Ah, je suis dégoûté. Pour l'instant, je suis dégoûté. Bon, ça bug. Bon, on va sauter. Ça sert à rien de. En plus, je crois que c'est full SR. Allez, allez, cut. Bon, pour l'instant, c'est très, 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 très mal parti. Hein. Très mal parti. Hop. Je sais même plus à chaque combien, je crois que je suis à la cinquième. Cinquième multi là. Oh là 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 là. Le nouveau Nita qui donne l'interception du faucon, je m'en fous. Oh purée. Là je suis à combien de Dream Ball là? 380 et quelques. 388. Ah, le jeu me fait payer le fait que j'ai pas invoqué depuis très longtemps, je pense. Moi, je drop jamais les rate up. Hein. À part le Super Dream Fest où j'ai eu beaucoup de chance, où j'ai fait un braquage de rate up,
Là, c'est incroyable. Là, ça fait un bon moment que je ne. Bah, depuis le Super Dream Fest. Ça fait bientôt. Ça fait 4 mois. 4 mois. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi là ce qui se passe. Je sais pas si c'est pas le fait d'invoquer avec Nox qui fait ça. Bon, on va faire une pause. Bon, on est back les amis. Donc j'ai fait un peu de ménage vite fait. On est à 337 Dream Ball. C'est chaud. C'est très très chaud. Ce qui se passe là, c'est chaud. Un SSR. Un seul SSR. Et comme par là, bien évidemment, pas le bon. Pour l'instant, elle est catastrophique la vidéo. Catastrophique. Mais je pense pas que je vais tout cramer. Tant pis. Je pense qu'il est encore bugué. Ok. Bon, je pense savoir ce que je vais faire. Je vais être passé par mon téléphone. Je sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe. C'est pas possible. Je fais une dernière multi là sur Nox et on va passer au. Je peux peut-être passer ça sur mon smartphone. Parce que ça me paraît bizarre quand même. Autant de multi, j'ai rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Sais pas, on dirait qu'il arrive pas à se connecter ou un truc comme ça, je sais pas. C'est bizarre. Oh là 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 là. Oh purée, c'est chaud bouillant. Bon. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, je pense que ça est le... Non, c'est bon, je peux pas cramer toutes mes Dream Balls, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. J'en ai rien droppé, c'est quoi ça? C'est... Tu vois, sur Twitter, des mecs, ils ont braqué le portail en 4 multi, j'ai fait je sais plus combien de multi, je disais plus, j'ai arrêté de compter, c'est pas possible. Je peux te faire peut-être 2 multi sur mon téléphone et tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Là, c'est pas possible ce qui se passe. C'est pas possible. Je veux bien être gentil, je veux bien ce que tu veux, mais là, non, non. Là, je vais faire juste une single, voire vite fait, pour être bien au niveau des étoiles. Parce que là, il me reste une étoile pour un ticket violet. Mais c'est n'importe quoi, là. Là, c'est clairement, c'est du grand n'importe quoi ce qui est en train de se passer. C'est. Je veux bien être gentil, je veux bien être ce que tu veux, mais là c'est pas possible ce qui se passe. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est chaud bouillant ce qui se passe là. Ok. Ok. Bon. Ça a été un échec cuisant les amis. Ouais super. Voilà, le TJ. Est-ce que j'ai assez de TJ pour faire un recrutement avec le TJ violet? Tant qu'à faire. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai claqué combien de Dream Ball? J'étais à 637. J'ai brûlé 400 Dream Ball. Hein. 400 Dream Ball pour Napoléon Fest, qui n'est même pas rate up. Est-ce que tu t'imagines du truc? Il y a 4 rate up, les 4 je les ai pas en plus. Le Cruyff, je kifferais grave l'avoir. Espada, je kifferais l'avoir. Même Genzo pour ma team verte, je le prends, il n'y a pas de souci. Et le Tsubasa pour ma team bleue, ça serait parfait aussi. J'ai eu aucun de ces joueurs. Et pourtant, le taux de drop est extrêmement élevé pour eux. Mais non, il faut que je drop le mec qui a, je sais pas combien de. Bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Hop. Et ben on va faire deux singles avec les tickets violets que je pense que j'aurai rien du tout. Comme d'habitude avec ces tickets violets, je crois que depuis le début du jeu, je crois que j'ai eu un SSR. Vous vous rendez compte du truc? Un SSR, j'ai eu. C'est incroyable ce jeu. Faut vraiment aimer le jeu pour continuer. Franchement, faut vraiment aimer ce jeu. Moi je l'aime, hein. J'aime ce jeu. Hein. Mais... C'est incroyable.
Je pense que ça va être peut-être, je pense que ça va être peut-être la dernière vidéo que je fais sur Nox. C'est peut-être Nox qui, je sais pas, qui déconne et tout. Ok, super. Ok, bon bah c'est là-dessus qu'on se laisse, les amis. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo catastrophe. Bah au moins ça vous montre que le Dreamfest peut être très très très, comment dire, peut être très cruel. C'est le mot que je trouvais, que je cherchais, pardon. Cruel, voilà. Donc je viens de brûler ouais, à peu près 4, plus de 400 Dream Ball. Juste pour un doublon que j'ai depuis belle lurette, quoi. C'est sublimissime. Bon, les amis, je vous laisse. En plus, il y avait des bugs et tout. C'est une vidéo, elle est juste magnifique. Hein. C'est sublimissime. Je vous laisse. Portez-vous bien. J'espère que vous avez eu de la chance. En tout cas, je te l'espère pour toi. J'espère que tu auras ce que tu veux dans ce portail. Maintenant, je pense que je vais peut-être faire. Je pense que j'ai brûlé mes Dream Ball, mais en off. C'est peut-être mieux parce que là, je sais pas, il y a un truc qui. Il y a un truc qui est bizarre. 400 Dream Ball, un SSR? Non, on n'est pas dans les taux là. On n'est pas dans les taux. Je suis désolé, mais on n'est pas dans les taux. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa Dream Team. Ciao, ciao!